La cuticule. Lorsque vous êtes assis dans votre jardin, tranquillement, saviez-vous que de minuscules assassins tuent, dévorent et ventrent sous votre nez? Telles les créatures extraterrestres du film Alien, qui dévorent les humains de l'intérieur, les larves de guêpes endoparasitoïdes du genre Leptopilina dévorent lentement leur hôte, une petite mouche très connue des biologistes, la drosophile. On retrouve cette petite mouche autour des fruits pourris. Son cycle de développement est court. En 10 jours, les asticots sortis des œufs se métamorphosent en mouches adultes qui peuvent à leur tour pondre des œufs et le cycle recommence. Les femelles de la guêpe Leptopilina, de redoutables parasites, traquent leur proie. Les odeurs d'éthanol permettent aux guêpes de localiser les fruits pourris sur lesquels vivent les asticots de drosophile. Une fois la cible repérée, un œuf de guêpe est pondu directement dans l'asticot, puis il éclot dans la drosophile. La larve de guêpe dévore les tissus de son hôte avant de sortir, le tuant par conséquent. Mais l'histoire ne se termine pas toujours si mal pour la mouche. Contrairement aux vertébrés, elle n'a qu'un système immunitaire inné, mais qui peut faire mouche. La cuticule constitue une barrière physique difficile à franchir. Cet exosquelette très imperméable est riche en cire et en chitine, une chaîne de glycides qui forme des fibrilles. Mais grâce à son ovipositeur, une longue aiguille creuse, la guêpe perce la cuticule de la drosophile et expulse un œuf dans ses tissus. Un système très performant qui pourrait devenir un futur outil de microchirurgie. La guêpe peut choisir précisément où déposer son œuf dans la drosophile. Tout ça est bien gentil, mais à quoi ça ressemble en vrai? Le professeur Moustache est là pour vous aider. La tête, le thorax, l'abdomen, l'ovipositeur, et hop, on injecte dans la pauvre drosophile. Une fois l'œuf introduit dans la drosophile, le système immunitaire de celle-ci prend le relais. La mouche contre-attaque.